Très bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition du journal. À la une de l'actualité, le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique. La question est en train d'être débattue à la conférence qui réunit les hommes et femmes des médias venus de plusieurs pays d'Afrique francophone. À cette occasion, le CESAC s'est dit prêt pour l'installation d'une cellule directrice afin de dénoncer cet acte dans les milieux médiatiques. Entre-temps, les forces armées de la République continuent de dénoncer les violations répétées du cessez-le-feu par les éléments du M23 soutenus par le Rwanda voisin. Enfin, après l'immeuble abritant les chaînes de télévision Télé7 et RTGA, cette fois-ci l'immeuble Boto est parti en fumée ce lundi 20 mars dans la matinée, incendie provoqué par un court-circuit. D'abord cette nouvelle, l'ancien porte-parole de l'ancienne majorité présidentielle quitte le PPRD et annonce son adhésion à l'Union sacrée de la nation. L'annonce est faite ce lundi 20 mars où ce dernier dit être convaincu de travailler avec le président de la République pour la cohésion nationale. En sécurité, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent les violations répétées du cessez-le-feu par les éléments du M23 soutenus par le Rwanda. C'est ce que renseigne un communiqué du week-end dernier. Jules Billet nous fait le point. La situation sécuritaire reste tendue sur le front dans la partie est de la RDC. Les forces loyalistes de la RDC dénoncent les violations répétées du cessez-le-feu par les éléments du M23 qui sont soutenus par le Rwanda. En effet, en date du 17 et 18 mars 2023, cette coalition terroriste s'est illustrée par des attaques de différentes positions des FARDC, notamment à Mpati, Kabaya, Niabibwe, Kadirisha, Rubare, Niaminanzu, Tcheferi de Baoundé, en territoire de Masisi, et les affrontements sont en cours. Pour ce, les FARDC en appellent pour unième fois la communauté internationale, l'East African Community, RF, le mécanisme conjoint de vérification élargi ainsi que le mécanisme ad hoc de vérification de se saisir d'urgence de cette situation et d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la RDC restent déterminées à défendre l'intégrité du territoire national et à mettre à l'abri des actes terroristes et barbares du M23-RDF, la population des zones menacées. En sécurité toujours, le Parlement angolais valide le déploiement des troupes angolaises dans l'est de la RDC. 500 soldats angolais seront déployés en RDC pour une année avec objectif de sécuriser les zones de cantonnement des membres du M23 et aussi observer le cessez-le-feu par ces terroristes. Affaire de Congolité, Noël Tchani et les députés nationaux Singi Poululu ne désarment pas. Deux jours après l'ouverture de la session de mars, ils ont déposé le week-end dernier pour la deuxième fois la proposition de la loi sur la Congolité, la loi Tchani qui a autrefois soulevé un tollé général, les microscopes politiques en RDC. Toujours au sujet de cette affaire sur la Congolité, le speaker de l'Assemblée nationale s'engage publiquement à prêter main forte aux promoteurs de ces projets pour éliminer un rival politique sur les rangs pour la présidentielle de 2023. Je l'ai dit en titre, le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique, la question est en train d'être débattue à la conférence réunissant des hommes et femmes des médias venus de plusieurs pays d'Afrique francophone. Dans son mot d'ouverture, la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, a appelé les femmes victimes de harcèlement à rompre les silences. À cette même occasion, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bosembe, s'est dit prêt de mettre en place une cellule directrice en vue de dénoncer toutes ces pratiques. Laetitia Wemba signe ses reportages. Organisations africaines qui militent pour... Au cours de la conférence sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique initiée par la Fondation Zakari Bababassoué, ouverte ce lundi à Kinshasa, a connu la participation de femmes, de médias venus des 10 pays d'Afrique
étroits, de l'Europe, des TikTokeuses, des influenceuses, de la Première Dame et du président du CESAC. Prenons parole. La Première Dame Denise Nyakeru faisant l'état des lieux du harcèlement que subissent les femmes de médias dresse ici un tableau sombre et invite les femmes à dénoncer. Comme vous le savez certainement, je m'investis totalement dans la valorisation des femmes et de la jeune fille de mon pays. Et les violences basées sur le genre faisant partie des axes d'intervention de ma fondation qui s'est trouvée dans le devoir de saisir la main tendue par la fondation Zachary Bababassoué Fozaba afin de contribuer modestement à la tenue de cette conférence. Comme la pauvreté, le harcèlement sexuel prend tristement un visage féminin. Peu importe le secteur socio-professionnel, la femme ou la jeune fille subit encore une fois, très souvent impuissante, à l'avalanche des pratiques odieuses et tout aussi subtiles du harcèlement sexuel. Le président du CESAC, maître Christian Bossembe, a à son tour condamné ces actes abjects et promet de mettre en place une cellule directrice pour diriger auprès des instances ces actes. Il est inacceptable d'apprécier la femme d'autrui en appréciant ses formes au travail. Puisqu'il n'est pas question dans le milieu professionnel de dire à une femme qu'elle est sexy. Au contraire, dire à une femme qu'elle est sexy n'est que montrer que la femme ne représente plus rien en dehors de sa sexualité. Le meilleur compliment ici, c'est de dire à la femme qu'elle a bien fait son travail. C'est de louer ses qualités, c'est louer son cerveau. C'est ce qui est très important. Le CESAC entend, dans peu de temps, mettre en place une série de directives qui condamnent ces choses, mais aussi qui dispose un bureau pour recevoir ces plaintes-là et nous allons les diriger auprès des instances. Il s'y est dénoté que la conférence sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique se tient du 20 au 21 mars à Kinshasa. Et puis l'initiateur de la conférence sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique, Zachary Bababassoué, a dans son allocution rappelé l'objectif de ces assises. À son tour, la directrice de l'Union congolaise des femmes des médias, Rose Massala, a salué cette initiative. Suivez. C'est un moment chargé d'émotion pour la Fondation Zachary Bababassoué que d'organiser ce genre de conférence dans un pays agressé par son voisin le Rwanda, où la femme, particulièrement la femme des médias, subit toute forme et des violences à l'est de la République. Aussi, pour encourager ces vaillantes femmes debout du Congo et leur manifester un élan de solidarité et de sympathie, cette conférence touche-t-elle les médias classiques et les réseaux sociaux tels que UVT aujourd'hui par nos youtubeuses et tiktokeuses qui atteignent facilement des millions de vues en quelques heures. En effet, l'idée ici est d'associer à la réflexion toutes ces femmes de médias classiques et des réseaux sociaux, à la réflexion afin qu'elles écoutent comment introduire des contenus éducatifs dans leurs sorties sur les réseaux sociaux qui sont pourtant suivis par la majorité de notre jeunesse. L'ICOFEM, effectivement, avait vu le jour il y a aujourd'hui 25 ans, c'était justement pour combattre ces stéréotypes dont les femmes subissaient des critiques, des commentaires négatifs. L'image de la femme était très ternie quand elle devait embrasser cette carrière. Alors nous, on était encore jeunes, on avait décidé de mettre en place cette structure qui totalise aujourd'hui 25 ans. N'est-ce pas que c'est louable? Nous avions décidé qu'à travers des formations, à travers des plaidoyers au niveau des rédactions tout d'abord, au niveau des responsables du gouvernement, au niveau des autres structures, hein, même des étrangers, on avait décidé de mener des plaidoyers, d'organiser beaucoup de formations, beaucoup de colloques, et justement mener des campagnes, hein, des campagnes pour faire voir au monde que le journalisme, c'est juste un métier comme tout autre. Direction Primature, où le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a reçu le week-end dernier dans son cabinet de travail le tout nouveau président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH,
Paul Soupomoukoulou, cette institution citoyenne d'appui à la démocratie chargée de la promotion et la protection de l'homme, entend maintenir la bonne collaboration avec les gouvernements. C'est un reportage signé Laetitia Vouema. Après leur tête-à-tête entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le nouveau président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou, a souligné le sens même de cette collaboration qui existe entre son institution et les gouvernements. C'est sur base de tout le travail qui est fait dans la gestion de cette question qui touche à la sécurité du pays pour l'Est également. Cette collaboration se situe dans le cadre de nos actions concertées par rapport à la question des droits de l'homme et par rapport aux assises qui se tiennent présentement à Genève. Et comme vous le savez, le président de la République est passé par Genève et a prononcé un discours qui a donné une très bonne impression et pour parler des contacts important par rapport à la situation des droits de l'homme dans notre pays et dominée par l'actualité, notamment les attaques, l'invasion par les groupes rebelles, dont le M23, qui est soutenu par le Rwanda. Et d'autres contacts que le président a eu, avec les autorités du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Comme vous le savez, un organe important de l'ONU qui s'occupe des questions des droits de l'homme. Maintenant, nous sommes dans le cadre des suivis. C'est pour cela que je suis en train de partir à Genève pour les dialogues interactifs. Et beaucoup de réunions y sont prévues dans le cadre de l'échange sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. Notons que la CNDH est aussi une institution qui conseille les gouvernements en ce qui concerne les questions des droits humains. Et le lancement officiel du troisième round des négociations entre la commission interministérielle du gouvernement et les banques syndicales du secteur de la santé s'est ouvert le dimanche 19 mars à Biboua. L'objet de ces assises est de trouver consensus pour le bien-être des professionnels de santé en RDC. La suite en images. Constituées en commission interministérielle, les banques gouvernementales et représentées dans ces assises par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, ainsi que le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bogé. Les principaux syndicats tels que le Sinamed, Silimed, Simeco, ainsi que les blocs des médecins publics non primés prennent part à ces négociations qui vont durer pendant 3 jours à Biboua, dans ces quartiers périphériques de la capitale. Les indemnités des transports et des logements ainsi que l'harmonisation à l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime des risques des professionnels services publics œuvrant dans les secteurs sont des questions essentielles qui constituent l'essence de cette rencontre que le gouvernement considère comme un exercice républicain. Dans son mot d'ouverture de ses assises, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a d'abord rendu hommage à son Excellence le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, apôtre infatigable du bien-être social des Congolais pour son impulsion et sa vision verticale dans les secteurs de la santé. Et cela en vue de rendre effective la couverture santé universelle au profit de la population. J'ai l'insigne honneur de partager la joie ce jour en prenant la parole encore une fois lors de cet exercice républicain qui consiste à échanger avec le bon syndical dans le cadre de la tenue de travaux de la commission interministérielle chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et alignement à la prime de risque des professionnels de santé et des services publics. Permettez-moi, avant toute chose, de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, apôtre infatigable du bien-être social des Congolais. C'est aussi pour moi l'occasion de vous exprimer à titre personnel, le double sentiment de fierté et de responsabilité que j'éprouve. Fierté
de se mettre autour d'une table avec le bon syndicat du secteur santé que vous représentez, et ce, en dépit des faiblesses qui jalonnent parfois nos rencontres. Nous avons ensemble pu déjouer les pronostics apocalyptiques de tout genre, et ce, en même temps, offrir des perspectives audacieuses de nature à redonner espoir et foi en l'avenir aux professionnels de santé des services de l'État. Toutefois, le numéro 1 de la santé en RDC a souligné que les négociations de ces jours interviennent dans un contexte historique particulier, marqué par la guerre injuste imposée au pays dans sa partie est. Aujourd'hui, dans sa troisième phase des négociations, Biboua est un cadre permanent du dialogue social entre les autorités des tutelles et les agents du service public. Cet atelier est aussi une occasion de programmer quelques actions à mener en 2023 pour améliorer davantage la situation sociale et les conditions professionnelles des personnels de santé. Pour clore son speech, le docteur Jean-Jacques Mbungani a invité les bons syndicales à la reconstruction d'un compromis raisonnable en tenant compte de tous les efforts fournis par les gouvernements sous la houlette du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde pour répondre aux différentes attentes du secteur de la santé et d'ailleurs de tous les autres secteurs de la société en ce moment où le trésor public est confronté à d'énormes défis avec la guerre d'agression imposée injustement à la République par le Rwanda à travers son supplétif du M23. En société, pour terminer, après l'immeuble abritant les chaînes de Télé7 et RTGA, cette fois-ci, c'est l'immeuble Beautour qui est parti en fumée ce lundi 20 mars dans la matinée, provoqué par un court-circuit, le local 21, d'où est parti le feu, est complètement calciné. On note des dégâts matériels importants, mais aucune perte en vies humaines. Naomi Pila. Situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa, l'immeuble Beautour, un complexe commercial, a pris feu dans la matinée de ce lundi 20 mars 2023. D'après le témoin de l'incident, quelques locaux ont été touchés par le feu avant qu'il ne soit maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Pour l'heure, l'origine de cet incident n'est pas encore connue, mais l'on déplore plusieurs dégâts matériels. D'ailleurs, là, je peux confirmer que nous sommes encore dans les premières heures de cette intervention. Certes, l'alerte est arrivée plus tard. Le corps de sapeurs-pompiers de différentes sociétés sont arrivés, nous également, pour intervenir et puis étouffer le feu. Donc, cela est parti d'un court-circuit causé par l'électricité. Alors là, on est en train de continuer avec les recherches et l'intervention pour maîtriser la situation. Cet immeuble en proie aux incendies abritant quelques chaînes de télévision, des techniciens de vente et réparation de téléphones cellulaires et des ordinateurs. Beautour a plusieurs fois pris feu par le passé. Certains occupants pointent du doigt les raccordements précaires de fils électriques dans ce vieux bâtiment. Fin de cette édition, voici l'essentiel à retenir. Le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique, la question est en train d'être débattue à la conférence qui réunit les hommes et femmes des médias venus de plusieurs pays d'Afrique francophone. À cette occasion, le CESAC s'est dit prêt pour l'installation d'une cellule directrice afin de dénoncer cet acte dans les milieux médiatiques. Entre-temps, les forces armées de la République continuent de dénoncer les violations répétées du cessez-le-feu par les éléments du M23 soutenus par le Rwanda voisin. Enfin, après l'immeuble abritant les chaînes de télévision Télé7 et RTGA, cette fois-ci l'immeuble Beautour est parti en fumée ce lundi 20 mars dans la matinée, incendie provoqué par un court-circuit. Fin complète de cette édition. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.